Rasputin, l'esprit tutélaire. La plus puissante intelligence artificielle créée par les humains. Avec un arsenal sans égal. Des milliers de Warsat, prêts à oblitérer tout ce qui menacerait l'humanité. Pourtant, face au plus grand des dangers, Rasputin a failli être anéanti. J'ai sauvé un maximum de ses pièces, et je les ai cryptées dans un engramme spécial. J'ai essayé de le restaurer dans un cadre exo-expérimental, mais mes tentatives se sont toutes soldées par un échec. Tant qu'il est hors ligne, tout son armement est libre d'accès. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ces Warsat se retrouvent entre de mauvaises mains. Savatun n'a pas pu tout me cacher. J'ai dérobé ses pensées, dont une sur Neptune. La chute, un tournant, mais... tout est assez flou. Tu me passes la clé? Les clandestins n'ont rien trouvé, mais j'ai vu, à travers les yeux de la reine sorcière, une ville face aux vagues. On dirait un piège. Ikora veut que je me repose. Quel culot. Vous n'avez vraiment fait aucun progrès en mon absence? Est-ce pour ça que vous êtes là, Osiris? Ikora n'écoute rien. Je me demande de qui elle tient ça. Rouge est en miettes. Il se dégrade. Il meurt. L'esprit tutélaire est notre plus grand bastion des données de l'âge d'or. J'ai besoin de son savoir. J'ai tout essayé. Je n'accède à aucun de ses protocoles. Mais votre grand-père pourrait peut-être... Osiris. Cet homme... Non. Clovis Bray. C'est un fou. Un monstre égoïste et meurtrier. Comme Rasputin. Mais ça pourrait être notre seule option. Comme Clovis pourrait être la vôtre. Peut-on avoir l'espoir sans le risque? Bonjour, merci de vous joindre à nous. On va aller voir Clovis pour lui parler de Rasputin. Osiris, dites bonjour. Jeune Griffe, Anna, comme au bon vieux temps. Osiris, vous avez vu? Les défenses du périmètre ont sauté. C'est une première. Je ne crois pas que Clovis veuille nous tuer, mais... J'ignore ce que ça veut dire. Mieux vaut garder nos distances jusqu'à ce que la zone de téléportation soit sécurisée. La zone est un peu encombrée. Je ne peux pas vous déposer plus près sans nous faire exploser. Et on vous en remercie. Il semblerait que votre grand-père soit assiégé. Il suscite ce genre de réaction. Si Clovis est en danger, notre mission l'est aussi. Waouh. Je note que les défenses du périmètre restent efficaces. Normal.
Les tours du périmètre ne me laissent pas passer. Les défenses du périmètre vous ciblent. Abritez-vous. Je ne peux pas croire que la Maison du Salut ait piraté le pare-feu de Clovis. Les Vex, peut-être, mais... ils préféreraient faire imploser le labo plutôt que de subir l'injure de le perdre. S'il y a la moindre chance, nous ne pouvons pas rater une occasion unique de restaurer l'esprit tutélaire. Oui, je vais tenter d'annoncer notre présence, pour qu'il ne fasse rien de stupide. Un cryptolite. C'est impossible. Xivu Arras a toujours évité Europe. Pourquoi venir chez Vigris maintenant? Éradiquez-les, gardiens. Ne laissez que descendre. Thank you.
ces défenseurs. Il ne doit pas être bien implanté. Bien, un problème de régler. Impossible de réveiller Clovis, mais les sous-niveaux sont accessibles. Les Kourousséens issus de la Maison du Salut. C'est terrible. Mais logique. S'ils se sont agenouillés devant le témoin. Je ne sais pas. Xivu et Vigris ne sont-elles pas des alliés œuvrant pour la même cause? Par opportunisme, peut-être. Mais Vigris ne me semble pas être du genre à se soumettre. Cet acolyte brille. Par pitié, dites-moi que ce n'est pas une bombe. Ils vous ont repéré. Éliminez-les tous. Ce vacarme n'a rien de normal. C'est le jour de bataille d'Axivo. Faites-le taire. La présence de la ruche est un présage. Nous ignorons certaines choses. Oui, j'ai aussi cette impression. Vous semblez inquiet. Un seul cryptolite peut donner assez d'influence à Xivu Arras pour nous inquiéter. Ne tardez pas. Clovis pourrait être en danger et les vaisseaux sarcophages arrivent en masse sur Europe. Ne leur laissons pas le temps de nous coincer. Les protocoles du labo se cannibalisent entre eux. Les cryptolites poussent esprit et machine au conflit. Même les plus coriaces finissent par se soumettre à Xivu Arras. Attendez, je crois que je l'ai trouvé. Il y a quelqu'un? Qui est-ce? Anastasia? La seule et l'unique. Bien sûr que c'est toi. Corrige ça immédiatement. Je veux des dommages collatéraux minimum. Arrête de te plaindre. La gardienne est déjà là. Thank you.
passé. J'ai un autre exemple de cette attitude chez toi, qui consiste toujours à me décevoir. Ah, tiens, je n'ai pas entendu. Anna, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de toi, il me tue, aïe. Un simple oui me suffirait. Encore des kryptoliques. Ils veulent mon cerveau, Anastasia. L'accès qu'il fournit, les secrets que je garde. Ils veulent m'ouvrir de force. Ils ne veulent pas que ces secrets. Ils veulent le soumettre tout entier. Quelqu'un va devoir leur expliquer que c'est une propriété privée. Gardienne ? Thank you.
Rendez-moi le contrôle. Et voilà. J'établis la connexion de téléportation. Papy, évitons la parlotte et mettons-nous au travail. Anastasia, c'est une agréable surprise de te voir sans ta sœur. Qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois ? Sans doute, va te faire voir. Je vois que ton diplôme de lettres t'est très utile. Qui est-ce ? Je suis Osiris, phénix de l'âge noir et érudit du cosmos. Je suis sans égal. C'est mignon. Espèce de sale impertinent de... Vous voyez, il est invivable. Nous trouverons un autre moyen d'aider Rasputin. Rasputin, l'esprit tutélaire est opérationnel. Fascinant. Son code source est corrompu. Je ne peux pas le réparer. Mais toi, oui. Tu t'es toujours trop soucié de lui apprendre à ressentir, plutôt que de comprendre son fonctionnement. Qu'est-ce que j'ignore ? Absolument tout, Anastasia. Mais oui, je vais t'aider. Parce que tu en as besoin. Et que nul autre ne le peut. Cet altruisme de ta part me surprend. La raison est pourtant simple. C'est épuisant de voir tout mon héritage filer entre les doigts de ma progéniture. L'instinct de survie. En effet, c'est simple. Partitionne ton IA là-dessus. Je vais te relier à mon atelier, puis nous reconstruirons Rasputin. Splendide. Sous mon contrôle, tout sera comme il se doit. L'esprit tutélaire renaîtra. Votre grand-père est insupportable. Je vous l'avais dit, ramenons-le au Simu.